Salut à tous et bienvenue dans ce tuto. Je vais vous montrer comment dissimuler une entrée. Donc voilà. Un bâtiment. Donc là que j'ai fait en bloc de fer. Avec une entrée et voilà. Donc il faut un levier pour rentrer par exemple dans une salle de coffre comme ça. Alors, il vous faut un levier, des pistons collants, un bloc dur, donc moi j'ai pris un bloc de fer, mais bon, vous pouvez prendre n'importe quel bloc, sauf du sable ou du gravier, de la redstone et répéteur de redstone. Donc, levier, je vais essayer avec un bouton, sauf le bouton, je pense qu'il sera vachement trop loin. Ah, non, ça se rouvre. Donc il faut un levier. Voilà. On va faire ça bloquer, voilà. Donc pour faire un bâtiment comme ça, en fait c'est très simple. On va mettre deux blocs de fer, deux pistons collants derrière, deux autres blocs de fer, un répéteur et voilà, quand en fait c'est fait, enfin c'est fait presque en tout cas. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça c'est pour faire une entrée double, enfin de deux cubes. On peut aussi faire ça que d'un côté. Ici, de faire comme ça, on va dire. Alors. Je vais faire un petit bâtiment là. Après, c'est le même principe. Si vous voulez faire donc, comme ça avec une entrée de deux cubes. Désolé si ça lag. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre notre levier ici, je crois. Et voilà. Donc c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Donc voilà. Par contre, bon là, c'est fait. J'ai fait vraiment un petit bâtiment parce que ça devrait être dissimulé comme ça. Donc bon. Là, c'est pour faire. Alors, on peut mettre un coffre ici, puis un coffre là, quoi. Donc voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est très simple. Merci d'avoir suivi ce tuto et bientôt.